J'espère que vous serez préparés à mieux affronter la vie et que tout ce que vous avez appris à tête-à-pied vous aidera à agir de façon responsable. On a un problème, c'est quoi? Gareth m'a trompé. Quand on trompe une têta, on trompe toutes les têtas. Faut absolument lui donner une leçon. Est-ce que ça va? C'est l'heure du show. Qu'est-ce que t'as, ma belle? Ça va aller? Non, mais j'hallucine! Hé, les filles, attendez! Elle a eu des convulsions et... Qu'est-ce que t'as fait? Cours chercher la voiture! Elle est vraiment morte! Quoi? Elle est morte et c'est de ma faute! Hé, Gareth, on va s'en sortir, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien. Chut, je te rappelle que t'es morte. C'est juste un corps. On l'enveloppe dans une couverture ou est-ce qu'on le coupe en petits morceaux avant? Ok, tout le monde, essayez de trouver des cailloux coupants pour démembrer le corps. Tu crois pas que ça suffit? Qu'est-ce que t'as fait là? Elle était pas morte! Oh merde! C'est l'enfer. Megan est morte et on est tous responsables. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a peut-être une solution. On refuse de gâcher nos vies. On raconte tous la même histoire et personne ne saura. Félicitations à tous nos finissants. C'est peut-être une journée remplie de joie, mais une de nos sœurs manque toujours à l'appel. À Megan, on aimerait tant t'avoir avec nous. Oh mon Dieu. C'est une blague, c'est la seule explication. Y a quelqu'un? C'est ce que je me dis. Megan est revenue nous hanter, elle veut nous tuer. Megan? Elle porte une grande cape noire. Tous les gens du système grec portent ce genre de cape. C'est pas Megan! Elle pourrit au fond d'un puits. On mérite tous de mourir. Ouvre la porte! À l'aide! Si tu penses me faire peur, je m'occupe d'une maison où 50 folles me font...